Voix de bouquet. Hèche. Et maintenant, Port-au-Prince. Vous avez fait du chemin. Et vous avez aussi fait du métier. La tâche cependant à Port-au-Prince est colossale. Je ne me tarderai pas à reprendre les grandes lignes qui définissent les préoccupations de la fonction du commissaire du gouvernement. Toutefois, je soulignerai à votre attention que la situation de la prison civile de Port-au-Prince est catastrophique. Il faudra gérer ce problème avec intelligence, suivant le vœu de la loi pour les infractions mineures, sans vous verser dans une attitude paternaliste questionnable. Monsieur le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous prie de faire savoir à Madame la ministre et au gouvernement qu'ils n'ont pas à rougir du choix qu'ils ont fait en me confiant cette lourde responsabilité. Force doit rester à la loi dans notre pays. Et celle-ci sera appliquée dans toute sa rigueur. Que l'on soit puissant ou misérable, la loi sera la même pour tous. Les investisseurs qui doivent créer les emplois pour nos jeunes ont besoin de sécurité juridique. Ils ont besoin de pouvoir circuler libre, de même que leurs marchandises. Les parquets de Port-au-Prince va s'atteler à la tâche. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l'appui du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en particulier, et du gouvernement général. Que Dieu bénisse Haïti. Nous présentons tout bilan partiel de l'intervention policière à travers tout le pays. Et bilan ça est entre tout dans l'opération Tornade qui était lancée en janvier 2023 par le commandant en chef de la police nationale. La étendue sortie 26 janvier, arrivé 26 mai, gagné 2730 personnes qui ont été interpellées. Environ 70 armes de tout calibre confisquées, 2661 munitions de plusieurs calibres confisquées, dont 7.62, 5.56, également cartouches 9 mm, gagné 16 kg de marijuana qui saisit, gagné 9 kg de cocaïne qui saisit, gagné 27 véhicules qui récupérés par la police nationale, gagné 40 véhicules qui confisqués, gagné 2 chaloupes tout qui confisquées, gagné 24 723 466 000 goudes qui saisi par la police et gagné 39 000 dollars américains qui saisi. Gagné tout plusieurs interventions que la police fait dans des foyers de gang et nos capacités, par exemple, une dernière intervention qu'il nous fait au niveau Thomasin. Et pendant toute intervention, ça a gagné policiers tout. Et qui est victime, et nous songeons dernier, et yon nan sa te victime yo, c'est ça qui est arrivé au niveau Pétionville lors de l'intervention qui t'a faite au niveau la boule 12. Le responsable d'État a été nommé juge Voltaire pour l'enquêter, pour jouer une vérité sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Dans l'attribution, il a estimé pour lui tant de moins. Et qu'il me répondre. Bon, c'est un ministre qui a été le président Jovenel. Puis qu'il doit avoir des informations qu'il veut qu'on connaît. Mais est-ce qu'il y a des témoins que lui-même dit dans la cadence? Bon, pas oublier l'instruction secrète. Et c'est Wally pour chercher la vérité. Il faut que tout le monde ait un environnement président Jovenel, lui l'étendre, l'attendre. Bon, c'est pour moi jusqu'à présent, c'est bien. Première impression, ministre Nader, après le fin de répondre à une question d'instruction, Walter Wessel. Walter. L'impression que s'il continue comme ça, on a privé un minimum de vérité pour assassiner le président Jovenel, pour le 59e président, pour assassiner les mêmes gens. Pour l'homme, mon élu, il doit avoir une différence avec elle, mais l'essentiel, quitter la loi tranchée, quitter le fait du mandat, s'il faut pour quitter le pouvoir, là, la quitter légalement. Les gens des bagages, ça, ils détruisent le pays, entre autres.
voulais dire merci à toutes les volontaires de protection civile qui mobilisaient depuis le début de la catastrophe, malgré qu'ils étaient victimes eux-mêmes. Je voulais dire merci tout pour les partenaires qui sont engagés dans la lutte ça avec nous. Pour nous suivre les consignes, pour nous faire attention, pour les gars toujours là. Et à l'occasion de problèmes sérieux, pour les rats capables de gagner un grand outil en Haïti. Suivre le conseil Semana pour les gens qui apprennent bateau. Parce que si nous te suivons un certain nombre de conseils, il y a des bons nous devons éviter la nuit de vendredi. Merci en pile nous tous. On nous était soudés l'un à l'autre. Ensemble, nous avons sorti. Nous là pour nous présenter le bilan et dernier intempérie, la pluie terrible qui tombait sur Haïti pendant les dernières 48 heures de temps et qui posait un pile de dégâts dans tout le pays. Malheureusement, la protection civile est jusqu'à présent recensée 15 personnes qui mourent. Okay? Nous avons 7475 familles, soit 37375 personnes qui sont affectées. Et parmi eux, nous avons à peu près 390 personnes qui sont déplacées et nous avons 1219 cailles qui sont inondées. Et le département qui plus atteint, c'est le département l'Ouest, c'est le département des NIP, le département Sud-Est, avec le département Nord-Ouest, avec le plateau central. Ce 6 juin 2023 ramène le 99e anniversaire de la DGI au service de la collectivité nationale dans l'exercice de ce noble métier de perception de droits, impôts et taxes destinés à assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État. Dans cette quête permanente de la réalisation de la mission fondamentale qui lui est dévolue, l'histoire de notre administration fiscale nonagénaire est celle d'une institution qui a connu de profondes mutations au cours du temps. De l'administration générale des contributions à sa date de création le 6 juin 1924, elle est passée à la Direction générale des impôts en janvier 1987, suite à la fusion de l'administration générale des contributions avec le fichier central, la régie du tabac et des allumettes et la publication de septembre de cette même période portant son organisation de fonctionnement. Il me revient l'insigne honneur de déclarer et ouvert et je dirais les festivités pour devant marquer le centenaire de notre administration fiscale. Donc comme mot je dirais pour des contribuables et usagers plus satisfaits, pour des employés et agents de la DGI plus qualifiés et mieux outillés, pour plus de performance dans les recettes publiques, je lance officiellement l'ouverture de l'année du centenaire de la DGI. À l'occasion de ce sommet, les discussions étaient franches et les problèmes ont été posés sans détour. Tous les sujets prévus ont été débattus. Les questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie
par rapport aux victimes des récentes inondations et manifester leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi OHEL qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile là qui créait en pile. Grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers, avec l'appui sans faille de la population au regard de la loi, du gouvernement, des partenaires internationaux, nous avons pu aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenus en matière de sécurité, tels que le déblocage du terminal de Varé, permettant la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt a paralysé le fonctionnement du pays tout entier. La neutralisation du chef de gang Timakak et le démantèlement de son gang, libérant ainsi la zone de Thomas-Saint-Laboule pour faciliter à la population de vaquer convenablement à ses besoins. La neutralisation de plusieurs membres influents de certains gangs de la zone métropolitaine, de la Thibonite et autres, occasionnant ainsi l'affaiblissement des institutions, des organisations criminelles et constater une baisse considérable des actes de banditisme à travers le pays, notamment le kidnapping durant ces deux derniers mois. Ces acquis sécuritaires n'ont pas été sans conséquences. Ils ont été réalisés au prix du sang, le sang du sacrifice, le sang versé de nos vaillants policiers sur le champ de bataille pour la paix, la sécurité, la justice, bref, pour l'état de droit en Haïti. Le Premier ministre croit qu'appeler ailleurs à un autre rendez-vous d'importance pour le pays, ne voudrait pas laisser passer cette occasion si spéciale sans exprimer à travers ma voix ses meilleurs voeux à l'institution policière pour ses 28 années de sacrifice et de service à la population, et cela contre vents et marées. Permettez que j'adresse à tous nos vaillants policières et policiers les plus sincères remerciements du gouvernement et de la population pour le travail accompli, très souvent dans des conditions extrêmement difficiles, afin de servir et protéger la population haïtienne. Je veux ici, au nom du gouvernement haïtien et du peuple haïtien, les remercier tous, ainsi que les pays qui ont apporté leur soutien matériel et logistique à l'organisation de cet événement. Pour l'intérêt que l'institution communautaire et les leaders des pays frères de la région portent à la crise haïtienne. Après la réalisation du forum politique organisé les 23 et 24 mai dernier par le Haut Conseil de la Transition, plus d'un se sont interrogés sur l'opportunité de telles consultations à l'extérieur du pays et sur l'utilité d'une telle démarche. Haïti est membre à part entière de la CARICOM. Et quand l'institution communautaire prend une telle initiative, il est normal que le gouvernement haïtien accepte l'invitation. Je suis un homme de dialogue. Et chaque fois que les Haïtiennes et les Haïtiens décident de s'asseoir ensemble pour parler le pays,
Si j'y suis invité, je répondrai toujours présent. On va parler de bilan ensemble opération qui réalisée sorti 1er juin à date. Et tout, nous allons parler de plusieurs cas que la police traitait. Pour le bilan, il y a 7 véhicules qui sont confisqués, il y a une dizaine d'armes qui sont saisies lors d'interventions et opérations de la police, il y a plusieurs munitions qui sont confisquées. Pour Pipiti, il y a 3 présumés bandits qui, malheureusement, blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts par accident de circulation, 5 blessés, il y a 2 chaloupes qui sont confisquées. En total, il y a 770 arrestations et qui fait sous tout département. Dans le nord, la police a arrêté dans le quartier Morin Jennifer Bataille, qui continue que Jessica, 29 ans, et l'a arrêté tout Saint-Hubert, ainsi connu, qui a 35 ans. Mounsayo fait partie de membres actifs gang qui a évolué au niveau quoi des bouquets, zone Canaran. Il a avoué que il a été une permission pour installer un gang dans la zone Limbé. Et Junior, ainsi connu, qui s'est trésorier réseau Sahara, la police a recherché activement. Au niveau quoi des bouquets, la police déjoué un enlèvement très tôt le matin, vendredi 16 juin 2023, suite à intervention, brigade d'intervention qui au niveau commissariat ou sous-commissariat Bon Repos. Au niveau Pétionville, la police arrêté Decius Jameson, 29 ans. Monsieur spécialisé dans le trafic d'armes et braquage. Il habitait votre frère. Monsieur tous ses membres gang et cap évolué dans zone marin quoi des bouquets. Parallèlement, la police tout arrêté Lucien Thomas, 39 ans. Monsieur lui-même son chauffeur taxi moto et monsieur habitait au niveau marin 23. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué à au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM et porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de ces nouvelles facilités susceptibles de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Le magistrat était un peu dur, c'est son travail. C'est moi qui t'ai mis de séparateur, sauf que c'est pas moi qui t'ai mis de lever. Jusqu'à présent, je demande la police, fait job li pour mal jouer basket là en bas. Jusqu'à présent, tout le monde voit ça qui a passé, nous pas qu'à vivre. Et personne ne peut continuer à vivre notre situation comme ça. Que le gouvernement prend responsabilité. Tout le monde, moi, magistrat, je pense que l'a fait ça le café.
magistrat a convoqué, il me dit qu'il n'est pas venu. Est-ce que vous pensez que je gagne assez pouvoir, assez répondant pour un juge d'instruction convoqué, il me dit qu'il n'est pas venu? Ah non, autant de fois, je suis là. Je m'appelle remercier le gouvernement américain, la justice américaine qui fait tout ça. Je suis content. Et là, je m'attends que le magistrat a tout li avancer dans l'enquête là pour commencer par condamner les gens. Moi, je souhaitais que le Premier ministre arrive à mettre un minimum de sécurité dans le pays là, pour organiser l'élection, pour remettre en place tout le personnel politique que le pays a besoin. Parlement, mairie, président et puis député. La consécration constitutionnelle de 1987, son indépendance est renforcée. Le contrôle des comptes a fait du chemin et pavé la voie au droit à l'information sur l'utilisation des deniers publics. L'institutionnalisation de ce contrôle, réalisé sans fanfare, a atteint son point d'orgue. Désormais, ils sont nombreux, les citoyennes et citoyens, qui démontrent un intérêt manifeste pour le budget de l'État, le jugement des comptes publics, le montant des impôts et taxes collectées. Aujourd'hui, dans le contexte de la reconstruction d'un pays en déroute, l'opinion publique et les groupes de support à la bonne gouvernance exigent un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'à défaut de dépenser plus, il faudrait dépenser mieux. D'où la rationalisation des choix budgétaires. Je souhaite que chaque ministre de mon gouvernement, chaque directeur général d'organismes autonomes, chaque dirigeant d'établissement public, chaque ordonnateur se sente concerné, impliqué, responsable. Je veux que chacun sache qu'il sera jugé sur sa gestion de deniers publics, sur les choix bon ou mauvais qu'il aura fait en matière de dépenses. Je suis convaincu que nous ne résoudrons rien si nous n'assainissons pas nos finances publiques, si nous ne réduisons pas durablement nos gaspillages et si nous n'appliquons pas une politique d'austérité. Protocole matin. C'est un élément dans tout un dispositif que le ministère met en place pour que l'y adresser sa lirele bien-être dans l'école. C'est après un premier protocole que tu as signé avec le ministère de la Justice qui te bail naissance à police communautaire éducative et du pôle. Et à un deuxième protocole que tu as signé avec l'association haïtienne psychologue, qui fait que aujourd'hui, nous gagnons 4 institutions qui représentent et qui pourraient intervenir pour assurer que élèves, professeurs, directeurs, plus parents, sentent plus bien, plus à l'aise, que ce soit dans l'école ou bien dans le quartier. Pour l'école, il y a un côté qui est sûr pour être mieux capable d'apprendre. Et si nous connaissons dans nos pays qui toujours fait face à catastrophe, ou bien pour toute raison, insécurité, toujours des cas d'accident, et bien pour élever tout, il y a un cas secouriste. Donc le ministère a lancé officiellement aujourd'hui le programme national sensibilisation ou geste qui a sauvé la vie.
congréganiste Notre-Dame du Perpétuel Secours dans la Tivolière, qui reconstruit avec aide bienfaiteur, bienfaitrice Touyo de la Fondation Digicel, déclaré l'école ça l'ouvrit encore pour faire content toute petite bon Dieu, yo, toute jeune dans la Tivolière. Et dans la baille, bon Dieu, gloire, pour mes vins, ça, il fait jeudi dans la Tivolière. Merci, mon Dieu. Merci. Un, deux, trois. Bravo. Bravo.